I'm a dumb teen boy. I eat sticks and rocks and mud. I don't care about the government, and I really need a hug. I feel stupid, ugly, pretend it doesn't bother me. I'm not very strong, but I'll fuck you up if you're mean to bugs. Hello! Bon, ma trousse à toilette est faite, je suis habillée. Et puis, bonjour accessoirement. Je commence à faire mon speech là, mais je dis même pas bonjour. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ceci est le signe pour demander à tout votre entourage s'il va bien. Et insistez si vous avez des doutes, mais pas trop, parce que ça peut très vite saouler. Voilà. Sachez qu'au niveau installation, vous êtes calé sur un échantillon de Yves Saint-Laurent. Voilà, on en est là. Bref, vous devez sûrement vous demander, mais Nathan, où est-ce que tu es? Ou pas quelque chose, mais juste rien à tirer, mais bon. Je vais partir sur la première option. Eh bien, un petit indice qui ne va pas vraiment vous aider. La dernière fois que j'ai fini ici, la seule fois d'ailleurs, c'était toute première vidéo il y a 2 ans. Ça fait un bout de temps, dis donc. Mais non, mais en gros, là, je suis chez mes grands-parents. Je suis ici pendant 4 jours parce que mes parents ils partaient faire quelque chose pendant 4 jours, ils voulaient pas que je reste tout seul chez moi, donc je suis ici. Mais, chose en plus du coup, au-delà de revoir mon petit grand-parent que j'aime de tout mon cœur, il y a quelque chose de très très spécial qui va se passer. Je pense que vous avez pu le voir au titre, qu'une retrouvaille va s'effectuer. Avec qui? Ça, je vais vous le dire tout de suite. Donc, vous connaissez sûrement et certainement depuis un bout de temps Adeline, qui est ma meilleure amie, qui est une personne qui... T'aurais pu passer plus tard, non? Je peux occuper là en fait. Merci. Donc, je disais, vous connaissez sûrement Adeline, qui est ma meilleure amie, que j'aime de tout mon petit cœur, avec qui j'ai partagé des hauts et des bas, enfin, j'ai tout traversé avec elle. Et je l'aime d'un amour inconditionnel, si jamais tu passes par là d'ailleurs. Je te fais plein plein de gros bisous. D'ailleurs, elle a lancé sa chaîne YouTube. Je vous affiche à l'écran, je mettrai mon lien en barre d'infos. Mais allez faire un tour. Alors sachez que c'est un univers complètement différent du mien. Elle est un peu sur les histoires d'horreur, légendes urbaines, etc. coréennes. Mais c'est super intéressant de voir. D'habitude, c'est pas trop dans le journal, ça m'intéresse un peu quand même. Mais voilà, je la soutiendrai toujours dans quelconque ses projets, soit-il. C'était pas très français, hein. Ouais. Mais bon, n'hésitez pas à aller, ne serait-ce que voir sa vidéo, laisser un petit like, ça l'aiderait vraiment beaucoup. Et j'ai également une autre meilleure amie que je connais depuis le même temps qu'elle, que j'ai connue en même temps. Et ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu, dont 3. On a essayé de se voir d'arrache-pied, qu'on n'a pas pu. Elle a cette année. 4e année, on peut, ça marche. Parce que là d'ici, elle est à 10 minutes, un quart d'heure. On va pouvoir savoir. Et je suis trop content parce que, comme elle a compris, ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu, ça fait un petit peu long. Après, on se parle assez souvent quand même, on s'appelle souvent aussi pour prendre des nouvelles. Parce que, du coup, vu que j'ai pas le même contact qu'avec Aline, c'est pas la même chose. Et c'est un peu plus compliqué de la voir, elle. Pour une fois qu'on peut et que ça va marcher. Je suis juste trop content. Faut que je vous montre un truc d'ailleurs, attendez. Vous voyez cette déco bien kitsch, bien 2016. Ouais, voilà. Et bien sachez que ça, c'est un cadeau que j'ai fait pour ma meilleure amie, que je devais voir déjà il y a 3 ans. Enfin, il y a 4 ans du coup. Et genre, tout était prévu à la dernière minute, ça a été annulé du coup, vu qu'elle a pas pu être emmenée. Et du coup, bah, depuis. Merci bien. Je me suis interrompu aujourd'hui, je n'aime pas ça du tout. Bref, du coup, ce cadeau, ça fait 4 ans que je l'ai, et aujourd'hui, je vais enfin pouvoir lui donner. Donc, je suis juste trop content. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans, comme ça fera la surprise quand elle l'ouvrira. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que la déco est un peu bizarre, et un peu vieillotte, cute, kawaii, machinana.
Parce qu'il y a une époque où vraiment j'étais à donf dans ce genre de truc là. Heureusement que ça a changé. Après, c'est mignon, c'est sympa. Hein. La déco vraiment est super. Mais bon, le hubo par exemple, c'est pas une obligation. C'est un petit cadeau que j'avais fait pour elle et que je vais enfin pouvoir lui offrir. Après là, à l'heure où je tourne ce passage-là, je sais pas du tout quand on va se voir, parce que normalement, si tout va bien, elle vient ici pour une journée chez mes grands-parents. On se fait un petit pique-nique là dans le champ, parce qu'il y a un grand jardin juste à côté. Enfin bref, on s'éclate. Le soir, enfin dans la soirée, on va chez elle, comme ça on passe la soirée ensemble. Et après on passe un bout de journée ensemble et malheureusement ça sera fini. On aurait aimé se voir plus longtemps, mais bon, moi avec mes échéances, enfin mon planning entre guillemets, je peux faire que sur 2 jours, pas sur 3, même si j'aurais adoré. C'est déjà ça, on peut déjà se voir, ce qui est juste un miracle. Je sais pas qui est-ce qui m'a entendu, mais c'est l'été en train de sauver mon été. Donc franchement, je suis trop 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 content. Hello, hello! Donc là, du coup, on est le lendemain, on est à J-1 des retrouvailles. Bon, je suis un peu triste parce que je viens d'apprendre que je vais pouvoir rester chez elle le soir. Donc, du coup, on restera juste qu'une journée ensemble. Donc, franchement, je suis super deg. J'espère vraiment qu'il y aura un chamboulement ou que je ne sais pas qui entendra notre détresse et fera en sorte qu'on puisse quand même passer la soirée ensemble. Et voilà, parce que, enfin, comme j'ai dit, ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu, dont 3 ans, enfin 4 ans en comptant celle-là, qu'on essaie de se voir et que là, pour une fois, ça peut marcher. Donc, oui, forcément, on est déçus, mais bon. De manière, je vous tiendrai au courant si jamais il y a update. Mais voilà. Un peu tristoun. Mais bon, écoutez, on va faire avec ce qu'on a, c'est déjà inespéré, c'est déjà inespéré qu'on puisse se voir. Donc voilà, on se verra sûrement demain ou alors plus tard dans la journée si jamais j'ai un potentiel update. Je croise tous les membres de mon corps pour que ça arrive, je vais croire au dernier miracle. Mais voilà. Aujourd'hui. Oh, j'ai du mal à me dire encore que... Oh mon dieu. Oh, ça fait si longtemps, je pense, en fait, que j'attends ce jour. Qu'on attend ce jour. Que ça paraît tellement irréel. Oh, ça fait 6 ans quand même. Oh, genre là, il n'y a pas plus aujourd'hui qu'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas français ce que je viens de dire. Mais j'ai encore du mal à faire le processus de me dire que je vais la revoir quoi, aujourd'hui. Oh là là, j'ai tellement hâte. Oh là là. Bon, même si c'est qu'une journée, ça va sûrement passer très très vite. On va essayer d'en profiter un maximum. Je vais essayer de filmer tout ce que je peux filmer parce que je veux garder cette journée historique dans ma tête. Et puis, voilà. Bon, alors, aujourd'hui, jour spécial. Extrêmement spécial. Je crois que c'est le jour le plus spécial de toute ma vie, me soit jamais arrivé. On va se faire un outfit de gudin avec ce qu'on a, sachant qu'il va faire un peu chaud aujourd'hui, mais qu'on va quand même rester à l'ombre le plus possible si jamais on trouve un coin à l'ombre. Donc on a prévu de faire un petit pique-nique, je sais plus si je l'avais dit, il me semble que oui. Donc on va se faire un petit outfit sympatoche, tranquille pour l'été, qui tienne mais pas trop chaud. Enfin je sais pas ce que je dis n'importe quoi, je colle la tête dans les fesses. Mais voilà, on va faire un petit outfit, c'est parti. Voici mon petit outfit. Alors j'ai fait quelque chose d'assez simple, un petit t-shirt Vans tout gris, le pantalon que j'adore, je sais pas si mais je le porte assez souvent, c'est un de mes pantalons préférés que j'ai commandé sur Shein, et j'ai mis un petit collier qui vient du manège à bijoux, c'est Leclerc, que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc petit ensemble sympatoche, je me rends plus
Elle étire mes pieds de chaussettes et je serai prêt niveau titre. Donc tenue prête, maintenant faut que je file à la salle de bain pour s'occuper de tout ça. Voilà. Et après, bah, il n'y aura plus qu'à faire les derniers préparatifs et à attendre. Voilà. Bon, et ben voilà, je suis tout prêt, tout bambin, tout habillé, coiffé, visage fait, etc. Donc, tout est bon. Maintenant, j'ai plus qu'à finir de préparer quelques petits trucs. Et puis après, ben, j'aurai plus qu'à attendre. J'ai pris une tapette à mouche, écoutez, on sait jamais ce qui peut arriver de toute manière. Des tapettes à mouche, il y en a dans chaque pièce dans cette maison, donc autant s'en servir et en prendre une. On sait jamais s'il y a des petits parasites qui nous embêtent. On décale la tapette. Et voilà. Terminus, on est tranquille. I'm feeling something, not holding the sea. I took it all, you don't know. La partie la plus longue, j'espère qu'elle va me répondre quand même, parce que j'aime pas ne pas savoir, genre quand les gens arrivent et tout, genre j'aime pas ne pas savoir, donc j'espère qu'elle répondra mes messages quand même, parce que sinon je vais être extrêmement frustrée, encore plus que ce que je le suis déjà. Donc voilà, la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera avec mamie Rémi. J'ai trop le Alors, petite update du blog déjà, comme vous pouvez les voir, elle est là, elle est arrivée. Je vais vous présenter donc Maëline. Voilà. J'ai un peu parlé de toi dans le petit blog, tu le verras quand tu vas sortir. Mais là, du coup, ce que je vais faire, vous... Enfin, le vlog, il va sûrement sortir après la première de mon projet. Mais aujourd'hui, on est lundi 29 août et mon projet sort le 30 août en première à 10h. Mais elle, vu que c'était une personne très spéciale et que c'est la première fois qu'on se voit depuis 6 ans et que c'est... exceptionnel, je vais lui montrer en avant-première et je vais avoir sa réaction en direct. Alors ça c'est pour. Bon, en gros, j'ai trouvé la vidéo sur mon téléphone parce qu'en fait elle était sur mon téléphone mais pas sur mon tablette. Donc j'ai juste fait un petit transfert vite fait, je lui ai montré la vidéo et là je vais juste remettre le passage où elle me donne son avis final une fois qu'elle a terminé de regarder le projet. C'est incroyable mec, vraiment là je suis... C'est wow. Vrai oh, mais c'est trop bien. Merci. Mais là mec, waouh. C'est incroyable. Voilà, j'ai fait un petit quelque chose pour me souvenir de mes 100 abonnés. Je voulais faire un petit truc peu festif, sympa et tout. Mais j'adore. C'est incroyable. C'est vrai? Oui, ah, je suis contente. J'adore. Bon. Franchement, bravo. Sur 10, tu mettrais combien? 45. Oh. Bon. Attends, j'ai pas fini. 45 1000. Oh, waouh. Sur 10. Oh, merci, ça me touche beaucoup. Ah, mais c'est incroyable, mec. Vraiment, bon. Genre là. Je sais pas. De toute façon, j'adore toujours que tu fais. Oh, t'es gentil. Merci beaucoup. Donc voilà. Maintenant qu'elle a réagi au petit concert, petit projet, elle va enfin pouvoir déballer le cadeau que j'ai préparé pour elle et qui est dans ma chambre depuis au moins 4 ans. Trop longtemps. Et moi, regardez, elle m'a offert une petite coque avec un petit mot. Bon, malheureusement, j'ai plus l'iPhone 7. Donc, si jamais je change de téléphone, mais je la garderai avec plaisir et j'ai très hâte de lire le petit. On commence par toi ou par moi? Comme tu veux. Bah, vas-y, par toi. Allez, commence par moi. J'ai jamais commandé de coque sur chaîne. Donc, Il est en rapport avec mon téléphone. Elle est très très sympa. Si on les met à côté, ça fait un petit quart. C'est mignon, j'aime bien. Oui. Ma pioux. Ouh, déjà j'aime bien le début. Le petit mot dessus est marqué ma pioux. Alors, je vais sûrement se mettre à chialer, mais c'est pas grave. POV, je suis Jessica. Oh, ça, je m'en fous. Mon loulou, j'espère que ça va pour toi. Perso, je suis la fille la plus heureuse sur cette terre, car après 6 longues années de séparation, on se retrouve enfin aujourd'hui le lundi 29 août 2022. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis heureuse de te revoir. Je sais que tu ne me feras rien de cette coque, du coup j'ai décidé de prendre une feuille et un crayon. Ouais, je sais que l'expression est avec un stylo, mais là, j'en avais pas. Pour t'écrire ce bout de papier plein d'amour. De ta IBF qui revoit son BFF, je t'aime fort, ma pioux.
Merci beaucoup. Mais de rien. J'apprécie beaucoup. Ça me fait très plaisir, ce petit mot. Je vais le garder jusqu'à la fin de mes jours. Ah, bah oui, bah là, je suis heureuse. Là. Ah, j'adore. Je vais le mettre dans la coque, comme ça. Hop là. Sécurisé. Allez, à toi. Ça va faire 4 ans. Attends que je l'ouvre. Par contre, je te préviens. Mais ça, je t'avais déjà parlé. Il doit y avoir des chocolats ou un truc comme ça dedans. Je sais pas s'ils sont encore bons. Donc, tu feras attention quand tu voudras. Je ferai attention. Allez, bah déjà, t'as le premier cadeau qui est là. Ça ? Oui. Pas normalement, tu devrais pouvoir le tirer. Genre, le papy, ça fait 4 ans, il est enroulé. Miskin, il reste enroulé. Surprise ! Mais c'est incroyable ! C'est un petit stylo plume. Je sais pas s'il marche encore. Normalement, il marche parce que je l'ai jamais utilisé. Et bah, voyons s'il marche. Ah oui, en effet, il marche bien. Bon, c'est bah. C'est pour ça que je monte sur ma main. Non, mais genre, parce que sur la main, peut-être ça marchait mieux sur, que sur un. Parce que c'est pour ça que je préfère vérifier. J'adore. Bon, bah, il marche encore. Je suis content. Ouais. Je pense que. Bah. Un petit moment. Ok, ça c'est le chocolat. J'ai ça c'est tout. La bouffe. Genre c'est encore intact. Ah, il y en a un qui manque. Ah, c'était. Oh non, j'ai osé faire ça. Le truc, il était déjà ouvert, il en manque un. J'ai osé lui donner la boîte. Je dis, oh ben, je vais la prendre, il en manque un, mais c'est pas grave. Et franchement, ça va, hein. Et ils se sont bien conservés quand même, hein. Mais non, je vois, ça se périme pas. C'est un... Je vais manger un dessert, du coup. Et le bon. Culot de ce. Mais je l'avais complètement zappé qu'il t'avais en manquait un. J'avais mis du scotch pour le refaire. J'en avais zappé qu'il en manquait un. Mon dieu, que c'était déjà ouvert. Oh, je me sens mal là. Et mais toi, t'es pas le genre de mec qui a abusé sur le scotch, quoi. T'es pas le mec chiant là-dedans. C'était des trucs déjà emballés. C'est des petits squishy. J'adore. Qui se sont dégonflés depuis un bout de temps, mais. Genre ça. Enfin, t'en montre. Ça, c'est des, genre, c'est des squishies que tu fais avec des. Genre, je faisais ça avec des papiers, c'était la mode à un moment, genre sur TikTok, j'en voyais partout. Du coup, j'ai dit, je vais grave en faire. Et du coup, bah voilà, j'étais là, j'en avais une boîte remplie, genre à ras-bord, tellement j'en faisais. Oui, je me suis dit, tiens, ça me fait chier, du coup, voilà, genre, je faisais ça. Et puis, je me suis dit, bon, ces deux-là, je les aime bien, je les ai donnés. Celui-là, ça va, celui-là est un peu dégonflé. Celui-là, ça va, mais. Mais voilà, ils sont dans cette boîte depuis 4 Rainbow. Ans. Et un petit sac de chips. Je me suis fait chier par contre avec ce truc. J'imagine. Genre vraiment, je me suis fait yège déjà, tout coloré et tout. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Donc. J'adore, vraiment j'adore. Voilà. Bon, en attendant qu'elle ouvre, petite story time de nous. Ça fait. Parce que du coup, là, en comptant cette année, ça fait 4 ans qu'on essaie de se voir, en gros. Et genre, la première année, bah, justement, c'est là où j'ai fait le cadeau. Et du coup, elle devait venir chez moi pendant quelques jours. On avait passé une super bonne semaine et tout. Sauf que du coup, à la dernière minute, elle n'a pas pu être emmenée. Deuxième année, bah, c'était le Covid. Voilà, qu'on adore, qu'on aime. Je te jure, là, quand tu verras, ça doit faire au moins la 550e fois que je me fais interrompre pendant que je parle. Entre l'avion, le voisin, une la mouche. J'en peux plus, ça me gave. Du coup, il y a une année du Covid. Et après, bah, 2021, c'était, on avait complètement zappé. En fait, genre, on voulait se voir, mais on avait complètement zappé. Et cette année, bah, c'est, on peut enfin se voir. Bon, c'est qu'une journée, mais c'est déjà mieux que rien. Je t'en prie, tu peux... Alors, pour M... Magnifiquement belle. A. À la vie, à la mort. E. Ensemble malgré la distance. L. Longue vie, friendship. L. La seule et l'unique, je sais. Y. You are my IBF. N. Nutella passion. E. Éternelle amitié. Oh. J'avais vraiment oublié que j'avais fait ce truc. Mais en même temps, ça m'étonne pas. En fait, t'aurais juste pu prendre ton rouleau. Non, ah, mais oui, non, mais vraiment, j'aurais pu littéralement mettre un bout de scotch. J'aurais pu mettre juste un bout de scotch. J'aurais tenu Nathan. Merde. Ou juste une. Genre, vraiment, je me suis fait chier. C'est quoi là-dedans, Nathan? J'ai peur. Bah, lis. 20 raisons de pourquoi on est BFF. Ça va être extrêmement drôle à lire. Parce qu'à mon avis, je pense que j'ai dû faire des manières. J'ai oublié les trois quarts du truc. Mais du coup, faut que j'y prenne un par un. Non, mais genre, je sais pas si c'est dans l'ordre en fait. Ah, oui, si. Ah, j'ai vraiment fait un ordre. On est toujours là, l'un pour l'autre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est archi vrai. C'est vraiment vrai. Le... Parce que je t'aime plus que tout. Oh,
c'est kiki comme tout. Je vous jure les gens, ça doit faire moins 3-4 ans qu'ils me saucent avec ça, qu'ils me disent « Oh, j'ai ton cadeau !» Et moi, je suis là, c'est quoi ? Non, le toque est tombé. Le 3. Parce que tu as besoin de repos, de peps, pardon, de dans peps. Ta vie. Dans ta vie. Pa. On est unique. Unique, d'accord. Sans moi, tu seras rien. Genre le mec, pas du tout. Pas du tout, en mode. Laisse filles enfler. Je peux pas quand même vous parler. 6. Parce qu'on est le binôme parfait. Parfait. Le binôme parfait. Je sais trop bien écrire au final. Je sais bien me relire et tout, genre. Je suis responsable. De tes fous rires. Oui. Ça, c'est vraiment vrai. Une grande partie de tes fous rires, c'est un peu de ma faute. 8. Je suis l'un des seuls à te remonter le moral en 2 secondes. Oui. Est-ce que tu confirmes ? Oui, je confirme. Eh bien, je l'appelle et ça va mieux. Clairement. Alors, le 9. On s'est toujours tout dit. 10. On a les mêmes goûts, enfin quasiment, mais bref. Mais bref, passons. À 11. Plein d'appels inoubliables pendant des heures. Avec... Non, c'est quoi, c'est un smile, avec un téléphone. Avec un... Ah, c'est un téléphone. Oh, moi, j'ai pas su ce que c'était. Oh. My God. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans toi. Sans toi. Sans toi. C'est pas toi, c'est toi. Avec encore un smiley. Je m'arrête jamais avec les smileys. Tous nos jeux sur Roblox qu'on a... À l'époque, on jouait très 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 souvent à Roblox. Et c'était assez drôle parce qu'elle, elle avait pas de souris. Du coup, pour se diriger, c'était un peu compliqué. Mais comment je rage coup... J'ai pété un PC pour ça. Ah ouais? Mais oui. Du coup, c'est ma mère où je joue habituellement quand je tapais dessus là parce que je rageais. Ouais, voilà, je l'avais cassé. Du coup, ça fait un peu contact. Du coup, on peut plus l'utiliser. Voilà. 14. 14. Oh, voilà. Lâche. Je vais la lâcher parce que le but, c'est le tien. Alors. Parce que tous ceux qui te font chier, je les... Bon, allez, 15. Bref. Attends, je mange. Moi aussi, je vais manger parce que c'est un peu ça le bide. Ils râlent beaucoup, ces chevaux, hein. 15, à la vie, à la mort, les inséparables. Mmh. 16. On est comme deux aimants. D'accord. Pas aimants, boum, 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 aimants, genre... Oui, je sais maintenant. Mentez quoi. IBF, inséparable. Best et... friends. Ah oui, best, ok, c'est le B, pardon. Best friends. Oh, c'est kiki. On est un kiki. Le 18. Parce que. Vraiment, t'as espacé à fond pour qu'on. Parce que. C'est ça. Notre amitié est infinie. Oh. Avec bien sûr le cycle de l'infini. 19. Ma vie égale toi et toi égale ma vie. Waouh, ok. Enfin, le dernier. Le retour des chevilles qui gonflent. Oh là là. En plus, c'est tellement vrai. Parce que je te fais le meilleur cadeau. Oh là là. C'est la vérité. Ah, c'est une petite lettre. Oh. Ma chère BFF, je t'envoie tout plein d'amour et de pensées positives. Ouais. Tu es ma meilleure amie. Tu as un cœur, tu as un gros cœur, n'attends pas, tu as un cœur gros. Écoute, j'étais jeune, je ne sais pas écrire. Tu as un cœur gros comme ça. Même dans les moments girls, écran gris. Gris, totalement, j'ai vraiment lu. T'as vraiment lu dans les moments girls. Oui, gris, donc vraiment l'écran gris. Repenser au bon moment et sourire. Tu vois. Même dans les moments gris, repense au bon moment et au sourire. Et oui, imagine. Sourire. Parce que genre à l'époque où j'avais fait le cadeau, j'étais à donf sur les Scooby-Doo, genre j'adorais faire ça. C'est pas un Scooby-Doo. J'en ai mis deux. Mais même... mais moi je me rappelais plus, j'en ai mis deux. Attends. Genre j'en ai mis deux Scooby-Doo, je suis trop gentil. Ah, c'est pas deux Scooby-Doo. Quoi? Non, arrête. Tu rigoles. C'est trois Scooby-Doo. Donc pendant tout ce temps-là, je me disais mais c'est marrant, je me souvenais on a fait plus de Scooby-Doo que ça. Et ben ils étaient dans ce cadeau. J'avais oublié. Moi, je savais pas faire de... Pour la petite anecdote, j'ai toujours essayé de faire des Scooby-Doo. Mais vraiment, genre... Beaucoup de fois, j'ai essayé. J'ai jamais réussi, ça m'a saoulé. Du
coup, j'ai arrêté. Mais là, je suis tellement émue d'avoir des Scooby-Doo, mec. Mais vraiment. Oh. Yo. Ah, my... je sais ce que c'est, ça. Faut que tu l'ouvres pour voir. Là. Ah, je sais ce que c'est. C'est trop beau. T'as vu comme c'est trop beau. Je me suis fait chier à le faire. Je vais l'afficher dans ma chambre. Bah, attends, montre le dessin à la communauté. C'est bon, pardon, excusez-moi. Non, c'est mon dessin. C'est pas le vôtre, c'est le mien. Regardez comme il est beau. Marqué quoi ? Pour te tenir compagnie. Oh, c'est une petite peluche, ça. Je sais plus ce que c'est. Bah, ouvre. Je sais pas, en fait. T'as vu, j'ai mis une ficelle, j'ai pas mis du scotch cette fois. Ah, bah si, j'ai mis du scotch, en fait. Oh, c'est une peluche. Ah, c'est lui. Ah, je savais pas que j'avais mis lui dedans. Attends. Ah, c'est les petits trucs en Disney, là, qui oui. ont pas de bras, pas de jambes. Oui. Un tsum-tsum. Oui. Oui. Tu sais, parce que de base, j'avais une pyramide genre des 6. Et puis un jour, je les ai retrouvés, je les ai passés. Je voyais que j'en avais 5. J'ai dit, il est passé où le 6ème? Parce qu'en plus, je me rappelais même plus duquel j'avais en 6ème. Et du coup, en ouvrant le cadeau, je me suis rappelé qu'il était là, le 6ème. T'inquiète. Il est trop mignon. Je sais jamais si c'était tic ou tac. Du coup, je l'appelais tout le temps tic tac. Ouais, bonne idée. Vu que je savais jamais si c'était tic ou tac. Bon, et bah voilà. Tu es contente de tes petits cadeaux? Je suis archi contente. Bon, bah, je suis contente que c'était. J'ai enfin pu t'offrir. Cadeau qui traîne dans ma chambre depuis 4 ans. Du coup, maintenant que c'est débarrassé de sa chambre, ça a du bordel dans la mienne. Et ben voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment essayé de raccourcir le plus possible tous les clips que j'ai pu garder de la journée parce que franchement, je vous dis, là, le dernier passage, il a duré plus d'une demi-heure et j'ai dû vraiment le raccourcir comme j'ai pu, donc j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Bon, bien évidemment, mon hypersensibilité n'a pas su tenir le choc face à cette journée. Donc le soir, bien évidemment, j'ai chialé pendant 2 heures. Après, c'était des larmes de joie. Enfin, c'était juste vraiment parce que j'étais tellement content qu'on se soit enfin revu que genre ça s'est bien exprimé à l'intérieur de mon être. Et du coup, bah, je me suis mis à pleurer. Mais voilà, franchement, j'ai adoré filmer cette vidéo. J'ai adoré pouvoir enfin la revoir. Parce que comme vous l'avez compris, ça faisait 6 ans qu'on s'était pas vu et qu'on attendait ce jour avec impatience. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Bye!